Et bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour un concept qui a fait frémir, la Twitch Sphere UHC. Essayez de dire Twitch Sphere UHC 5 fois sans bégayer. Donc du coup comme je le disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel UHC, un nouveau mode de jeu. Et ce mode de jeu, vous le kiffez sur Twitch, donc vous le voici en vidéo sur YouTube. Je parle bien évidemment de Harry Potter UHC. Juste avant de vous expliquer les règles de ce mode de jeu, je tiens à vous annoncer quelque chose. Demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Bref, dimanche 3 mai, comme c'est indiqué sur l'affiche, je serai en stream cuisine pour réaliser l'un de mes sub goals. D'ailleurs, je vous les affiche ici hein, en même temps, si vous voulez les réaliser, c'est simple, il suffit de se sub sur Twitch, voilà, vous savez tous comment faire. Du coup, voilà, je vous donne rendez-vous à 16h demain, ou aujourd'hui, ça dépend toujours à quelle heure vous regardez la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ou aujourd'hui, du coup. Enfin, bref, voilà, voilà, bon, ouais. D'ailleurs, pour ceux qui seront là à 16h pile, il y aura une petite surprise que vous ne verrez qu'une seule fois dans toute ma chaîne et dans toute mon existence. Et les subs seront immunisés contre le coronavirus. Non, ça c'est faux. Ça c'est... Je rigole. Bon voilà, stream cuisine, sub goal, demain, 16h ou aujourd'hui. Bref, dimanche 3 mai. Ah oui, Harry Potter UHC, on en était où? Laissez-moi vous expliquer les règles 2 minutes. Le concept reste assez simple. Un UHC en Mystery Team avec 6 équipes max possibles. Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Mais aussi les Mangemorts et les professeurs. Professeurs. Mais quel est le but? L'objectif est de rapporter le plus de points pour sa maison. Maison qui nous est donnée en craftant un artefact, en finissant le bingo ou à 50 minutes de jeu si on n'a rien fait. Ah, les artefacts. Ils sont au nombre de 4. L'épée de Gryffondor, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serre d'Aigle. Ils sont craftables dès le début de la partie et ils rapportent 20 points au joueur et à l'équipe qui la craft. Voilà, le karma. Mais déjà? Déjà? Ah mais d'accord, on peut faire une suite. Bah ça c'est le village des temples. C'est Guillaume, mais genre! Ouais, c'est Guillaume, il a eu le choix. Tricheur! Tricheur! Et comme petit exemple, ici Guillaume veut de crafter la couple de Poufsouffle. Il remporte donc 20 points pour son équipe. Du calme, j'ai pas fini. Une autre manière de gagner des points, c'est le bingo. Le bingo est un jeu que vous avez vu pendant les Minecraft Saturdays. Accent anglais éclaté. À 20 minutes de jeu, une liste d'items va nous être donnée et le but va être de le rapporter le plus vite possible. Le premier joueur rapportera 60 points à son équipe, le deuxième 50, le troisième 40, le quatrième 30 et 15 pour tous les autres. Autant dire qu'il va falloir être rapide. Bien évidemment, ce n'est pas la seule manière de gagner des points. Les kills rapportent 10 points et la dernière team en vie rapporte 15 points par joueur restant. Et enfin, les reliques de la mort. Comme dans les films, ils sont au nombre de 4. 3, c'était pour voir si vous suiviez, ok? La bite de Bichard, la baguette de Suro. Une épée en diamant Sharpness 4 avec 32 durabilité. La pierre de résurrection. Une pierre permettant de ressusciter l'un de vos mates. Et enfin la cape d'invisibilité. Une bannière qui vous rend invisible même avec votre armure si vous la tenez en main. Les reliques de la mort n'apportent aucun point. Ils apparaîtront à 60, 70 et 80 minutes de jeu. On peut enfin jouer! Ok c'est bon! Ça marche en fait! Ça reste un début de game normal, canne, cuir, etc. À la différence qu'on va devoir stocker le plus d'items dans notre inventaire afin d'anticiper le bingo. Je décide de rush Nether afin de pouvoir crafter en premier l'épée de Gryffondor. Je suis dans un trou toujours. Non, je peux pas m'en sortir. Ah, mais... Oh, salut les gars, ça va? Salut. Il y a une forteresse là-bas, si tu veux, et je me suis pris un wizard, bah j'allais retourner, bon bah... On y retourne, hein. Ah mais attends, mais il y a les potions. Il y a les potions et... Attends, ouais, c'est gentil de nous avoir laissé les trucs. Ah, j'ai encore des Nether Orcs là! Oh, y en a pas. C'est pas moi! Le portail, Eh, y'a un portail! Salut. Bon bah, allez, allez, c'est bon, on peut déco. Allez, hein. Allez, ça me saoule. Ah, mais tu regardes ça, moi c'est flemme de le rush ça. Sans succès, je repars quand même avec les potions. Je prends au passage quelques items du Nether afin d'anticiper le bingo. Ouais. Bon bah, ok. Oui, c'était assez cool. C'est une bonne game pour ma part en tout cas. Eh bien, je te félicite. Eh bien, j'ai un diamant! Oh, trop chaud! On sait pas en trouver. Non, mais attends, peut-être que je dois faire un casse par exemple pour le bingo. C'est vrai. Bien vu, tu es très intelligent. Merci de m'avoir aidé, ça se trouve, on est même pas ensemble. Bah, exactement, mais moi je sais que je suis très honnête. Hein. Le timer avance et on se rapproche des 20 minutes fatidiques. Le bingo va bientôt débuter. Mon objectif est d'être le plus rapide. Je précise que tous les items sont récupérables, mais certains plus difficiles que d'autres. Je n'ai pas parlé. Hein. Top, c'est parti! Ça a été très rapide, mais vous avez remarqué que deux items sont encore dans le bingo. En effet, ces deux items étaient déjà dans mon inventaire. Comme quoi, j'ai bien anticipé le bingo. Vous voulez rigoler? J'ai pris 6 fleurs, j'ai aucune des fleurs, c'est bon? Ok. Je sais pas comment on fait ça, par contre. Comment tu fais un armor stand? Je sais pas non plus, si quelqu'un sait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi aussi. Un hopper c'est simple.
Pas peur, Cécile, je sais faire mieux. Oh, fuck. Ok. Je sais plus comment on fait des échelles, je panique. Ouais, oh, c'est des choses qui arrivent. Oh non merde, j'ai fait un jukebox à la place d'un autre bloc. Erreur de rapidité, trop rapide le jeune bichard. Comment on fait un autre bloc? Oui. Merci. Par contre, moi je vais faire ça, je vais remonter. Et l'armor stand, bah je sais pas. Tire de la cobble. Tu transformes en dalle. Moi je vais aller voir moi comment on fait, je sais pas comment on fait, hein. C'est pas triché. Hein. Mais je crois que les gens... Voilà, ça. Ok, ça je sais faire. Alors il manque deux choses. Ok. Bon, il ne me manque plus que la fleur bleue et j'aurai fini le bingo en premier. Comme toutes les fleurs de Minecraft, elle apparaît dans les Flower Forest, mais aussi dans les marais. Il va falloir que je trouve rapidement un marais, ou une Flower Forest. Tu mec. Le Dorf. T'as là, sonne mec, en rab. Non mais je cherche une fleur. Ouais mais mec, c'est que là, voilà. Ouais, du coup je suis en train de chercher un marais. Bisous mec. Avec un peu de chance. Je sais pas comment on fait des dalles, donc je verrai plus tard. Non. J'ai un marais sur 5 blocs. Il est tout petit. Un tout petit marais. Non, y a pas la fleur dedans. Et là, j'ai une idée de génie qui me vient en tête. La poudre d'os, communément appelée la bonne mille, permet de faire pousser des herbes sur des surfaces où il n'y en a pas. Avec de la bonne mille, je sais que je pourrais faire apparaître cette fleur bleue. Il faut en trouver coûte que coûte. J'use la poudre d'os. Y'a pas d'eau. Hop. Y'a pas la fleur, cherche pas. C'est attends, c'est... t'as de la bonne mille? Non. Ah si, j'en ai mec, j'en ai. Vas-y, va dedans. Non, pas là, dedans. Pas là. Dans le marais, dans le marais. J'en ai 8 en vrai, j'en ai 8. Là, dedans, là, tu vois. Pas si ça passe. Jure, dis-moi là que t'as pas de redstone. Oh jure, dis-moi maintenant que t'as pas de redstone. Donne la redstone. Tiens, allez-vous. T'en as pas plus? Hein? T'en as pas plus? Non, j'ai que ça. Oh non, j'ai trop le seum. Et c'est ce qu'on appelle un bingo fini en premier, hein. Grâce à ça, je rapporte 60 points à mon équipe. D'ailleurs, mon équipe. Ah bah, je suis chez les mange-morts, hein. Ah, merci. Yes, je suis trop content. Yes, yes, et je suis donc avec Totei qui avait crafté un artefact. Ouais, mais t'inquiète pas, y'a pas de soucis, mec. Hein. Elle. Ah putain, je peux pas. Ah, oh, je suis content de l'avoir réussi. Je vois. Ce qui me manque juste. Putain, gérer biche bouche. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est. Mais attends, mais du coup, c'est des dalles. Il faut les faire cuire, les dalles. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Dwarf sa bonne mille. Il avait pas compris pourquoi. Voilà. Ah, ça marche la bonne mille pour avoir les fleurs bleues partout. Ouais. Si tu vas dans un marais, tu mets de la bonne mille et. Ah, dans un marais, oui. Ça spawn. Mais moi, j'ai pas de marais. Donc, c'est un pour loup. Ça fait genre 10 minutes que je suis dehors. Mais moi, j'avais un marais sur 4 blocs. Il y avait 4 blocs de marais. Bon, après avoir fini cette phase intensive de bingo, il est temps de se stuffer. En effet. On est à 20 minutes de jeu, le PVP est activé, je suis toujours à poil en train de me balader, comme ça le zizi a l'air. Les derniers membres de mon équipe seront révélés à 50 minutes s'ils ne finissent pas le bingo. Serdex sont très mal, ouais. Franchement, en vrai, ouais, j'espère vraiment pas que je suis chez Serdex, là. Hop, je pensais jamais devoir utiliser de la bonne mine en UHC. Je vous le dis tout de suite. Non mais quand même, les gens ils vont pas nous taper, si on est en haut, ils voient qu'on est fou de faire. Ils voient. Vas-y, de d'où tu peux le faire. Mais frère, j'ai traversé au moins 1000 blocs. Je suis derrière toi aussi. Ah bon? Je t'ai vu, t'es enchanté avec ton pantalon. Oui. Et y'a un autre joueur derrière toi. Oui, y'a une autre joueuse. T'as trouvé? Tu l'as trouvé? Mais t'as trouvé? Tu les as trouvés? Putain. Oh. T'as trouvé la fleur bleue? Ah non, j'ai pas trouvé de marin, j'ai fait toute la map. Mais... On approche des 50 minutes et beaucoup de joueurs n'ont pas fini leur bingo. J'aurais peut-être dû prendre des fleurs bleues en plus pour les donner à ma team quand je les rejoindrai. Ça n'empêche, je pensais jamais carrer ma team. Hein. Et au final, si. Donc c'est cool. Ouais, t'as bien, hein. Franchement, tu t'aimais bien. Ah, du coup, t'es en concurrence avec Guillaume là. De ouf. Petite concurrence là. Il a eu l'artefact, j'ai eu le truc. Ouais, mais tu vois, t'es devant lui. Ouais. J'espère que je suis avec toi, biche-bouche. Ah, j'espère aussi pour le coup. Voilà, j'espère vraiment que je suis avec toi. Mais attendez, mais y'a du monde qui va pas finir bingo. Eh, t'as vu comment en une game tout peut changer. On a eu le cas de la game. Je pense que c'est l'affaire bleue. Hein. Oui, mais genre on a eu le cas d'une game où tout le monde a fini son bingo hyper rapidement. Et là, on a le cas d'une game où tout le monde galère à le finir.
Je bouge, on va bientôt se laisser. Regarde, c'est de la même équipe. Et non. Bisous Dadou. Bisous Bichebouche. A plus. Guillaume, ici Julie, Suchi. Moi j'ai que Frenchy, je te take confave. Oh c'est, j'ai une bonne team hein. En vrai. Faudrait qu'ils finissent. Je vais gagner la je vais garder la bonne game. La bonne game parce qu'il faudrait qu'ils finissent leur leur bingo. Et... Ok bon j'ai un stuff j'ai un bon stuff, un très bon stuff. Hop. La 5KB2. C'est sûr qu'on a pas le droit de se boost. Donc faudra pas que je suis contre mes mates quoi. Moi je sais qu'il y a la relique qui va apparaître. Je décide donc de remonter. Mes mates sont assez loin et je ne ferai rien en AV4. Vous savez ce que je vais faire? Je sais pas si c'est autorisé ce que je vais faire. On va récupérer des fleurs de bleu pour ma team. Voilà. On va faire 6000. J'ai pas de redstone. Ah ça c'est con ça. Je fais les potions grâce à mon rush nether du début. Il ne faut pas que je croise de team. On va faire que des 3 minutes du coup. Salut. Ok aussi. Je me suis dit vas-y si je reste comme ça ils oseront pas m'attaquer. C'est quoi la relique, c'est l'épée? 123-267. Est-ce que je rejoins ma team? Il vaut rejoindre sa team, elle est pas si ours que ça l'épée. Hein. Il vaut rejoindre sa team. Au moins je leur donne le de quoi gagner. On va prendre plus 15, 30, 45 points. Et là c'est le boss. Hein. Allô? Allô? Eh bah dis donc, yo-yo-yo. Yo-yo-yo? Alors, vous avez fait votre bingo? Non, mais mec, on a pas trouvé. Oh, yes. Vas-y, aussi. Oh, mais ah, tu carries la team. Mais y'a le droit ça? Putain, putain. Bah oui, Guy, il fait pareil. Mais surtout, c'est dans la même team. Bichard, on a établi une stratégie à ton absence. Vas-y. Vous avez la redstone, s'il vous plaît? Non. Non, j'en ai plus. Alors, tu fais les potions? Ouais, bah j'ai de quoi? Je les ai déjà faites en fait, juste pas allongé. Ah on va juste en chercher. On a 10 minutes avant la prochaine truc du coup. Ouais, c'est vraiment barré. Eh, je vous carry de ouf par contre hein. Ouais. Mais attends, mec, c'est dans le marais que tu les as eu? Ouais, mais j'avais un marais à côté de moi. Okay. Mais en fait j'avais pas de fleurs. J'ai utilisé la bonne mine. Ah mais y'a un mineshaft là. Le prochain artefact apparaît à 70 minutes de jeu, et c'est la pierre de résurrection. Pierre convoitée qui permet de ressusciter l'un de nos alliés en cas de décès. J'ai donc quelques minutes pour trouver de la redstone. Et genre ils ont pas fait le mineshaft. Là y'en a forcément. Là y'a forcément de la redstone là. Allez. Hop hop hop. On va juste faire un arc power 2. Heureusement que j'ai pensé à en prendre pour ma team. En plus j'ai 9 potes. C'est vraiment pas mal 9. Je vais juste récupérer. Bon j'ai 9 potes. J'ai 9 potes 8 minutes, sachant qu'on peut en faire plus. Mais Bah 9 mec ça va, on peut faire oui ça fait 2. Ça fait 8 et 1-3, donc je prendrai 3 et vous. On va prendre 3 fights. Mais non, mais t'inquiète, c'est bon. Vas-y, dis-nous tout. Tiens. Alors, baguette, c'est pour se casser si tu vois une team que t'as pas envie d'affronter. Ouais, ok. Et pomme, merci. C'est pour aller sur une personne. Ok, ok, c'est noté. Vas-y, on suit quand même. Vous avez combien de gapple juste? 6. Ok, on est très dans la merde, mais c'est pas grave. En vrai, on a une minute pour arriver au 0-0, ça va. Oui. Ouais. Bah, limite, on passe speed maintenant quand même. Je pense pas, bah là on est en pleine en vrai donc. Oula, confave, y'a ton pire ennemi. La faille. Tu veux que je te pousse dedans? Non, non, ah. Arrête, vas-y, passe. Ça commence. Ah, tu commences à. Ah, Dombi, transpirer, donné la là. Ouais. Ils sont à 10 points, les gars. Ouais, mais c'est cool, c'est-à-dire qu'on va. Ah, Guillaume, il est. 233. Ouais, on l'a pas. On est à l'opposé. Ouais. 233, c'est juste là, c'est juste tout droit là. Bah... Vas-y, go prendre les potes. Ouais,
Bon, il y a une montagne. Oh, des gens là. Il y a dwarf et tout. Il fait quoi? Ok, il veut le mac. Vas-y, venez, on va chercher le truc. Ouais, on s'en fout. C'est dwarf et qui? Ah, dwarf, Diaonès, Zintek. Attends, c'est ceux qui ont la T4, non? Ah non, non. Si, ceux qui l'ont. Je vais vite aller chercher l'artefact là. Ah, le... Bah ouais, surtout que personne y est, c'est bizarre. Ouais. Mais t'inquiète, faut juste qu'il y en ait un au pire. Pas grave si vous êtes en retard. Parce que pierre de résurrection, c'est giga bien. Bah, c'est surtout beaucoup, hein. Ah, y'a un rose là devant. Ah. Exine, on va le tuer. Du coup, il est pas non, bah non. Bon, vas-y, viens, on avance. Ok, y'a les jaunes. Ah. Ils sont ma stuff. Ah, ils sont pas stuff, ouais. Non. Ah, non, évidemment, on va tomber sur eux. Oh là là. Salut. Ah, non, c'est une blague. Ils ont la pierre. Ah, ils ont eu la pierre. Par contre, si on. Quoi? Par contre, si on les tue, ils vont rêver. Ouais, mais gars. La baguette encore. Ouais, baguette. Ouais. Ok, reculez. La boue sautille, carrément. Attends, mais y'a du monde derrière. Les gars, on est quoi derrière? Ouais, non. Ouais. Vas-y, surtout qu'il nous va venir. On peut les tuer derrière. Bah, vas-y, go. Grave. Bah, aussi. Jean. Mais c'est gentil. Aïe. Ouais, je suis retourné, il m'a mis deux flèches quand même. Je vais mourir. Agathe, tu vas mourir. Non. Bichard, s'il te plaît, pacte. Ok, vas-y, je tue pas. Pourquoi t'es comme ça? Tu me fais trop ma peine. Tu me aussi. Non, stop, normal, s'il te plaît. Non, par contre, Agathe, je te tue pas, mais tu m'empêches pas de tuer tes mates. Enfin. Mais ça veut dire speed. Enfin. Y'a qui devant toi, Fares? Y'a un mec dans une cave. Oh. Bon bah, je t'ai regardé là. Oh. Il remonte là où je suis. Montez au-dessus. Il remonte. Montez au-dessus. Y'a un mec dans la cave? Ouais. Ne me tape pas. Putain. Tape pas. Comme femme, je t'ai dit tape pas. Écoute, hein. Mais mine directement au-dessus de toi, on s'en fout, y'a pas de clavier. Voilà. Je suis assisté. Volume 2. Bon, on a pu récupérer quelques gapels avec ces fights, mais malheureusement je n'ai pu récupérer la pierre de résurrection. Elle est entre les mains de Pouf Souffle. Le prochain objectif reste la cape d'invisibilité. C'est pas très go se mettre au 0-0, comme ça on ira rapidement vers le... parce que je veux la cape d'invisibilité depuis le début, c'est ce que je kiffe de ouf. C'est trop bien. Vraiment. Ah ouais. C'était vachement. Je reprécise que la cape d'invisibilité vous rend invisible si vous la portez dans votre main. Et ceci, même si vous avez du stuff sur vous. Assez Genre c'était marrant, moi je trouvais ça hyper marrant. Ce combat sera votre combat. Allez salut. Ah. Ah, y'a des trucs qui changent pas non plus. Ouais, je sais toujours pas MLG. Bon bah. J'ai eu la flemme, je te cache pas. Ouais, t'as eu la flemme d'MLG? J'ai eu la flemme d'MLG. Attends, par contre. Vas-y, go se mettre au 0-0 pile. Au sol cogneur. Oui, c'est Amazon Gap. Bah d'ailleurs, il a pas. Non, c'est Gap qui l'a faite. Bon, ça c'est très bien ça. En tout cas, c'est très stylé. Assez cocooning, franchement. Ouais, bah bon, cocooning, moi c'est vers là-haut. Ok. Il y a un tram. Bah dans 3 minutes, on... franchement, un bon petit T3 sur la tour Eiffel. Les gens. Baguette ou quoi? Bah, j'ai pris une. Ah, il se barre. Oh, Bichard, t'as plus de fleurs là, c'est pas d'accord. Non, j'ai plus de fleurs, moi j'ai des drops. Ah, heureusement, sinon. Eh, moi je peux pas dire, mais ils sont fous. Gap, elle est magnifique ta maison. Ah, vas-y, bah go les fight au pire. Baguette ou pas? Bah, visiblement. Non, fais-les. Normalement, on était censé être ensemble. Bah, apparemment. Faites gaffe au TK. Merci pour la dame. Aïe, 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 je me fais enchaîner par les joueurs. On commence à fight l'équipe rouge, mais n'oublions pas notre objectif, récupérer la cape d'invisibilité. Elle va apparaître d'ici quelques secondes, et à ce moment-là, je serai prêt à partir pour aller la chercher, peu importe la situation. Moi, je touche pas mal en vrai. En tout cas, c'est une chouette bataille navale. C'est confiant, c'est une chouette. Arine ! Ouais, mais pas d'arc. Il y a des coups dans 20 secondes. Oui, je sais. Oui. Il y a plus du jump là. Et les gens, j'ai plus de commun. Bon. Je prends trop cher au pote. Prochaine zombie. Ok les gars, go. 211-67, c'est par le haut. Allez, vous nous.
Ouch. C'est pas mon esprit d'envoyer une Valkyrie. Bah oui. Vas-y, on avance. Il va mourir. Attends, qui va mourir? Quantiche? Ouais. On va pas le tuer. Ah, c'est ça? Ah, ouais. D'accord, c'est bon. T'es invisible là? Ouais, t'es invisible. L'invisible, l'invisible. Tu veux retourner vers le direct? Tu veux retourner vers le direct, t'as une fight? Ouais, mais 30 secondes. Là, il y a Quantiche, là, il y a Quantiche. Là, c'est bon, on est là. Je suis pas mort encore, les gars, vous pouvez encore m'abandonner, mais dans 2 minutes, je peux venir là. Ah, cette perle. Ah, ouais. Avec leur... Attends, je vais... Là, là-bas. Yep. Bah, venez. Go. Ouais, t'inquiète. Aïe. Oh, mais tu m'as... Oh, vous m'avez poussé dessus. Oula. T'es arrivé, okay. Désolé. Y'a personne. Mais il est où, Bichat? Je sais pas, je me... Oh, oh, j'ai peur. Oh, non. Pire perle. Le GG. Mais j'arrive. Vas-y, Bicha. 2018. Oh non, vraiment. Désolé. Bah, merci. Vraiment, ma team, vous m'avez pas aidé. Yes. Allez. GG. Non, ça, c'est moi, ça. On commence à bien gérer notre fight avec les rouges. Malheureusement, les bleus sont arrivés. Ils nous ont pris nos kills, nos stuff, nos points. À ce rythme-là, ils vont vite remonter dans le classement. Ok. Bon. Je n'ai plus qu'un allié en vie, mais j'ai la cape d'invisibilité. Doté ? Doté ? Combien de gap ? Zéro. Combien de cœur ? J'ai 5 cœurs. Putain, les bleus, ils ont tout niqué. C'est qui en face? C'est les bleus? C'est qui en face? En vrai, faut qu'on fasse ça tuer des bleus, mais ça va tuer. C'est quoi ça? Y'a un temple de guardian! Merde! Y'a un temple de guardian! On est poussé dedans! Ouais, je suis infecté! J'ai manifacti pendant 5 minutes! C'est une blague! Devant! Gap solo! Oui. Bah oui. Et bon bidet, hein, vas-y. Mais en fait ça, ils peuvent se retrouver tracément. J'ai plus que 20 flèches. Mets-moi ta flèche, mon bi, ça te fera plaisir. Je me rends invisible pour pouvoir surprendre Bombi au bon moment. Il ne me voit pas et pense que je suis derrière Toté, qui est assez loin. Ah, j'ai trop peur. C'était l'invisible. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que je te voyais plus, je comprenais pas. Oui, je suis invisible. Okay, bon, j'ai bien joué là. Peut-être Gabe dans le coin, je fais gaffe. Attends, deux secondes. Vas-y, viens. C'est trop bien l'invisible, c'est trop bien. Les bleus sont assez loin, j'ai... Mec, faut que Gabe fasse 3 kills en vrai. Attends, fais 15x4, 40... Oh, ça tire là. Quoi, 15x4? Ok, y'a les bleus, attends. Comment ça on est plus loin? Moi je vais disparaître, hein. Ah bah oui, bah du coup j'ai rien, hein. On n'a pas le droit de se boost donc j'aurais bien KB2 mais bon. Non, t'inquiète. De toute façon, je leur donne quelque chose. Oui, Dadou! On se fait poursuivre par une équipe de 4 bleus. Notre seule chance est que Totei les attire le plus loin possible du 0-0. Pendant ce temps, je me rendrai invisible et essayerai de choper les autres équipes pour accumuler le plus de points. Ok, Toté, je te. Vas-y. En fait, c'est plus tu l'utilises, plus t'es. Plus tu peux pas l'utiliser avant un certain temps. Ouais, c'était sûr. Salut mec. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ils sont là-haut, ils ont tué mon mec là-haut. Mais je me retrouve à nouveau seul contre tous à la tête du classement. Bon, moi je cherche pas rien. Peu, bah, c'est pas rien, t'es à côté de Gil, je pense. Je pense que Gil va tuer.
Ah, c'est encore bien, en fait c'est entre vous deux, je pense que ça va. Ah non, c'est avec Serdek, je pense. Je sais pas. Ah, Serdek, ils sont bien. C'est 15 points. Il peut trop bouger là. Parce que s'il meurt là. Viens, Guillaume. Guillaume! Ouais. Bah, mec. N'approche pas. Ah bah. C'est la sauce, hein? Ok, Dwarf, ils sont là! Dwarf! Dwarf, ils sont là, ils sont là, derrière moi. C'est où là? Là, derrière moi, là. Ils sont au zéro. Ah bah voilà. Ils sont là. Allez, on va les fight! Bah, tu fonces dans le tas. Moi non plus j'ai plus d'œil. Putain. Ok, vas-y, go Go Guichard est encore visible. Il est derrière. Oui, ils sont juste sur le cul. Ça lag de ouf. C'est gaffe, venez m'aider, je suis sur toi. Et Bichard sur moi, je suis mort. Ah, c'est le combo ça. Bien joué. Bien joué. Ah ouais, mais là c'est trop. Ah oh, t'es un monstre. Attends, t'as chopé toutes les gaps là. Ah oh, ça lag par contre. Ah bah. Pas tout. Non, c'est quoi ton truc de malade toi? C'est très grave ça. Bah tout, vous avez 3 VR si tu te tues pas. Ouais bah oui, mais c'est pour ça que j'essaie d'aller au là. Hein. T'as les potes de speed, mais c'est quoi hein? Oui. Ah, c'est trop bon. Ah, GG. Aïe aïe aïe. J'avais pas de heal, j'avais rien. Ah ouais, dommage. Rien faire. Moi j'avais 2 coeurs. Je pouvais rien faire. Le mec. Oh, quel enfer. Bien joué. C'est enfoiré. Bah GG gros. GG. GG Bichard. Bien joué Bichard. Bien joué Bichard. Bon bah maintenant faut trouver ce pari. J'ai mis bouge. Mais non, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini, j'avais pas le nom. Allons chercher l'orchidée. Ouais, bah. Bon. Allez, j'ai l'orchidée. Ah, tu cherches le marais. Ce pari était à un d'or près. Un d'or près. Ah le bâtard. Arrête ça. Hein. Arrête ça. Je vais te taper, moi. Et Bichard, t'as pas une orchidée. C'est pas rien, un coup d'épée c'est fini. Hein. Non, c'est fort de ouf. Hein. Un coup d'épée c'est fini, c'est pas rien. Oui, mais. Je crois pas. C'est dans la tête. Oh, ouais. T'as pas une orchidée, oh mec? J'ai pas d'orchidée. Non, j'en ai pas. Attends, t'es deux pièces, trois pièces. Oh là là. T'as pas de pièces. J'ai un plastron. Non, je veux des bottes. J'ai fait chez Boton, bah attends, s'il te plaît déjà. Et en plus, j'ai rien. Je veux mon orchidée, gros. J'ai pas d'orchidée. Ah, y'a un squelette là. J'entends. Attends. Y'a un squelette là. Putain, j'ai eu peur. Ah, vas-y. Tu m'as fait super peur. GG. Ou alors là.
Attends, j'ai plus de vie, attends, t'as dit gaffe, s'il te plaît. Mais ça va. J'arrive. Hein. Tu veux que je te tue la pioche? Attends. Vas-y, vas-y. Pousse-toi la vache, tu gênes. Putain de pioche. C'est pareil. Tu te laisses pas faire, tu le, te laisses pas faire. GG. GG. J'ai un demi. Et c'est comme ça que se termine cette première partie de Harry Potter UHC. Je laisse parier à un demi-cœur, c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit au début, pour gagner la partie, il faut avoir le plus de points. Donc j'avais gagné dans tous les cas, c'est pour ça que je me suis laissé tuer. D'ailleurs, je détiens le record du nombre de points accumulés, c'est assez marrant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept dans les commentaires. Doc et crédit en description, tout y est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous toute la semaine en stream et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.